retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers de l'Avent numéro 12. Donc je vais commencer par celui de Sabrina. On dirait qu'il y a deux choses. Alors, le papier est collé dessus. Voilà. Trois choses. Attendez. Et bon. Donc, on a un génial pour faire du... Oh, je suis pas réveillée encore. Du vintage. Oh, des petits die cuts comme ceci pour faire du vintage. C'est génial. Il y a des tickets, des machines à écrire, des vélos. Ça, je te remercie infiniment. Ensuite, on a des petits chipboards. Donc, on dirait une étiquette et un cadre maison. Voilà. Ils sont trop, trop beaux. Ah, ben, ceux-là, je les ai aussi. Comme quoi, on a les mêmes goûts sur AliExpress. Je ne vais pas vous les ouvrir, mais je les ai énormément utilisés. Donc, du coup, c'est parfait. Cette année, pour l'automne, j'avais que ça. Enfin, je me suis racheté plein de trucs, du coup, mais voilà. C'est des petits stickers comme ceci. Donc, vous avez des feuillages, des champignons et des petits lapins. Merci beaucoup, beaucoup, Sabrina. Bah, tu l'as encore rempli, le colis. Chez Degustabox, donc comme d'habitude, j'ai ouvert avant parce qu'il est très très bas. J'ai eu de la pâte à Milka. Donc ça, c'est génial, j'ai jamais goûté. 240 grammes. Je peux mettre dans un gâteau ou faire des tartines, c'est génial. Hop. Ensuite, on va faire le Kinder. Donc le numéro 12 est en bas, ici. Et c'est tout 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 petit, donc à mon avis. Voilà. Petit œuf Milka Kinder. Enfin, Milka, ça y est, j'ai vu pas ta Milka. Un petit œuf Kinder. Voilà. Et le calendrier de l'Avent d'Anthony. Il est ici. Et le numéro 12. Il est, je sais pas, là. Nous avons une petite bébête. Un tout petit renard. Regardez-moi ça, il est trop trop beau. Franchement, il est magnifique. Donc voilà pour Anthony. Bien sûr, chaque année, Anthony, je prendrai un calendrier de l'Avent. Soit tutu de bolide, mais tutu de bolide ou animaux, mais cette année, je les ai pas trouvés. Et donc là, j'ai pris le Playmobil. Parce qu'il va avoir des Playmobil à Noël et son anniversaire, donc ça complétera. Excusez-moi. Donc, il a eu un petit renard. J'ai eu des stickers sur le thème de l'automne. Des chipboards bois. Des dice cuts pour faire du vintage. Comme ça, c'est génial. Il y a les notes de musique, il y a les vélos, j'adore. Voilà. J'ai eu la pâte à Milka. Je ne sais pas si c'est avec de l'huile de palme. Huile de coton. Ah oui, huile de palme. Donc c'est comme le Nutella, il y a de l'huile de palme. C'est pas grave, moi ça m'empêche pas d'y manger, hein, vous me direz. Et ensuite j'ai eu un petit œuf Kinder comme ceci. Voilà, je vous tournerai, je sais pas si vous l'aurez tout de suite, je vous tournerai une vidéo avec mes créas de, pour le marché de Noël si j'ai le temps, parce que c'est demain et j'ai pas fini mes centres de table, donc je verrai ça peut-être demain matin pour vous la tourner. Je vais pas y arriver. Et vous tournez mon premier album photo aussi. Bon, ça j'aurai le temps parce que c'est pour le Noël d'Anthony, donc voilà.
Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. I'm not afraid to die.